Bonjour. Le 14 juillet 2022, alors qu'un avion de ligne survolait les environs de Las Vegas, un passager a remarqué quelque chose de très étrange dans une région du désert, se situant près de la célèbre base militaire de la zone 51. L'homme a remarqué trois objets très lumineux, en contrebas entre les montagnes, et a pris son téléphone portable pour filmer la scène. Selon son estimation, ces lumières étaient situées à 15 ou 20 milles, soit à environ 30 km, à l'ouest de la ville. Mais la vidéo, malheureusement, ne peut pas montrer à quel point ces objets étaient brillants, car c'était une journée ensoleillée, mais selon le témoin oculaire, ces objets brillaient comme des torches de soudage géantes, dont la lumière pouvait être vue à plusieurs dizaines de kilomètres. Ces mystérieux objets auraient-ils pu être confondus avec quelque chose de terrestre? Probablement. Mais selon les informations qui ont été transmises aux autorités, il n'y a pas eu de manœuvre dans cette zone, et encore moins d'objets, pouvant refléter des lumières aussi puissantes. Cela voudrait donc dire que bien qu'ils puissent être des objets inconnus, il n'y a aucun doute que l'armée pouvait être à cet endroit. De nombreuses révélations qui ont eu lieu durant ces dernières années au sujet des ovnis nous disent que l'armée américaine collabore avec une race extraterrestre. On peut donc affirmer que le gouvernement est également impliqué. Cependant, la chose la plus curieuse est qu'il s'agit exactement de la même région dont Charles Hall, un ancien militaire américain à la retraite, a affirmé que se trouvait une base extraterrestre. Dans cette base se trouveraient des Talloites, en français, des grands blancs, une race d'extraterrestres de grande taille, mesurant 2 à 3 mètres, et qui vivent jusqu'à 800 ans. Cette base serait située sur un terrain militaire privé, protégé par la base aérienne de Nellis, qui est donc entourée d'une clôture de barbelés, et proche de la zone 51. Charles Hall, un physicien nucléaire, auteur, et ancien spécialiste météo pour l'armée américaine, a affirmé que les militaires étaient en contact avec ces extraterrestres depuis de nombreuses années. En 1964, alors qu'il était observateur météo à la base aérienne de Nellis, dans le désert du Nevada, il aurait été témoin d'interactions entre l'armée et un groupe de mystérieux extraterrestres de grande taille, avec une peau très pâle, et qui ressemblait à des humains. Il a affirmé que cette base secrète était l'endroit où leurs vaisseaux spatiaux atterrissaient, pour faire escale sur Terre, avant de repartir vers d'autres planètes. Certains de ces vaisseaux spatiaux, dont il aurait été le témoin, étaient gigantesques, probablement des vaisseaux-mères, et étaient capables de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Il a également déclaré que les plus hauts responsables au sein du gouvernement américain avaient décidé il y a longtemps de tout garder secret, parce que selon eux, les gens ne seraient pas émotionnellement prêts à accepter une telle révélation. Maintenant, les mystérieux objets inconnus que nous voyons ici, et qui semblent être de taille gigantesque, pourraient-ils être justement des vaisseaux-mères extraterrestres? Sommes-nous vraiment face à la preuve de l'existence d'une civilisation venant d'ailleurs, et qui collabore avec l'armée américaine? Avons-nous vu quelque chose que nous n'aurions pas dû voir? En 2014, des documents secrets, divulgués par Edward Snowden, qui a obtenu l'asile en Russie, semblaient confirmer l'histoire de Charles Hall, concernant l'existence de ces grands blancs extraterrestres. Ces documents secrets révèlent que plusieurs races d'extraterrestres visitent notre planète depuis des milliers d'années, y compris les grands blancs, qui collaborent avec l'US Air Force, au Nevada. On apprend aussi que des représentants des grands blancs ont rencontré le président Dwight Eisenhower en 1954, lorsque l'État profond, le gouvernement secret, qui contrôle les États-Unis, a été établi. Cependant, dès les années 30, les grands blancs avaient déjà aidé les Allemands, puis par la suite, les nazis, comme en témoigne le fait que pendant les 4 années de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a fait construire une flotte de sous-marins modernes, technologiquement avancée pour l'époque. Parmi les documents, se trouvait également un rapport des services secrets iraniens, révélant les motifs de l'association des grands blancs extraterrestres avec les humains de la Terre.
et ce qu'on y découvre est plutôt effrayant. Ce n'est rien de moins qu'une domination absolue sur les êtres humains qui se produirait dans le cadre d'une phase finale programmée. Pour augmenter les chances de succès, les Grands Blancs aideraient même à mettre en place un réseau mondial de surveillance électronique chargé de dissimuler leur existence dangereuse. Alors qu'on se demande pourquoi la vérité sur les ovnis tarde tant à être révélée et que les rumeurs sur un canular cosmique sous faux drapeau vont bon train, nous réalisons que Charles Hall et Edward Snowden nous avaient déjà prévenus. Les alliés extraterrestres du Troisième Reich nazi, récupérés par le Quatrième Reich transnational, qui auraient quitté ses bases secrètes situées en Antarctique, n'avaient évidemment aucun intérêt à laisser divulguer la vérité. Charles Hall a également affirmé que les images d'OVNI appelées Tic Tac, validées comme authentiques par l'US Navy, correspondent à ce qu'il sait sur les engins éclaireurs des Grands Blancs. Ainsi, il n'a aucun doute que ces vidéos sont authentiques et sont liées aux extraterrestres qu'il a connus dans les années 60. Il n'y a pas si longtemps, l'existence même des OVNI avait été complètement niée par le gouvernement américain. Maintenant, les responsables gouvernementaux rendent les ovnis publics. Mais sommes-nous très loin d'admettre que des êtres extraterrestres existent et vivent déjà parmi nous, ici sur Terre, dans notre réalité? Ces Grands Blancs extraterrestres, qui collaborent avec le complexe militaro-industriel de l'État profond, depuis de nombreuses années, en partageant des connaissances et des technologies avancées, en échange de la base d'Indian Springs, dans le désert du Nevada, dans le but de pouvoir faire atterrir leurs vaisseaux spatiaux et faire escale sur Terre, avant de repartir vers d'autres destinations lointaines. Les allées et venues de ces vaisseaux spatiaux provoqueraient même parfois des incidents. En avril 2018, on a appris qu'un chasseur F-16 de l'US Air Force s'était écrasé alors qu'il survolait la zone de test militaire de la base aérienne de Nellis. Officiellement, les médias ont dit qu'il s'agissait d'un simple accident pendant un entraînement militaire. Mais la vérité serait tout autre. En effet, à l'intérieur de l'immense zone militaire de la base de Nellis, la base secrète extraterrestre des Grands Blancs serait située près d'un champ d'artillerie et d'entraînement de l'armée américaine. Selon certaines rumeurs, un vaisseau spatial des Grands Blancs, qui était en approche pour atterrir sur la base, aurait vu les mouvements du F-16 et, le considérant comme une menace, l'aurait abattu. Certains initiés pensent que le chasseur F-16, qui se serait trouvé par erreur, un peu trop près de la base secrète des Grands Blancs, aurait pu verrouiller accidentellement son système de missiles de poursuite au laser sur le vaisseau spatial. Étrangement, d'autres avions de chasse F-16 se sont également écrasés dans la même zone, comme ici, en mai 2021, près de la base aérienne de Nellis. En effet, malgré leur collaboration avec les militaires américains, les Grands Blancs seraient des extraterrestres d'une nature très agressive, et selon Charles Hall, seraient même autorisés par les militaires à tuer des humains. Les Grands Blancs, qui se considèrent donc comme supérieurs aux humains, auraient déjà tué plusieurs soldats de l'US Air Force, pour des raisons futiles, telles que toucher ou bousculer accidentellement un enfant Grand Blanc, s'approcher d'eux par surprise ou refuser une demande de leur part. Ici, vous voyez un ovni qui a été filmé le 9 juillet 2022, près de Las Vegas, au Nevada. Cet ovni très brillant, qui semble être en forme de disque, pourrait être un engin venant de la base extraterrestre des Grands Blancs. De manière très significative, la corroboration de l'affirmation incroyable de Charles Hall concernant l'existence d'une base secrète abritant des extraterrestres est venue sous la forme d'un article de presse du Las Vegas Review Journal, datant de janvier 1951. Dans cet article, était décrit une somme importante de $300 millions, destinée à la construction d'une grande installation souterraine à Indian Springs, information qui, étrangement, n'a par la suite jamais été officiellement confirmée. Les déclarations étonnantes de Charles Hall semblent donc être fondées et devraient être prises au sérieux par tous ceux qui sont à la recherche de la vérité.
Avant de vous quitter, je vous propose maintenant de voir une interview très intéressante de Charles Hall, que j'ai traduite et sous-titrée en français spécialement pour vous. Cette interview a été diffusée sur une chaîne de télévision australienne en mars 2013. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ever wonder what might lie out there deep in space? Do you want to believe we're not alone, that somewhere in the universe, intelligent life may actually exist? Our next guest says there is life out there. It does exist. Dr. Charles Hall says he spent 2 years working with extraterrestrial beings during his time with the American military. He claims the US military has actually been in contact with alien species for years. And Dr. Charles Hall is here to explain, along with his wife Marie, live from what Bugs Bunny used to call Albuquerque, New Mexico. Now, thank you both for your time. Terrific to have you with us. Firstly, Charles, can you tell us your story of how you managed to come into contact with these beings as you worked with the military? I'm a Vietnam veteran, and I enlisted in the Air Force in July 1964, and I was trained as a weather observer, and I was sent to Nellis Air Force Base, Nevada, outside Las Vegas, Nevada, and for 2.5 years I was sent up to the gunnery ranges up at Indian Springs, and I was given a clearance to allow me to go anywhere in dreamland as long as I was alone. I discovered that up there at the north end of Indian Springs Valley, which you can see on the map in the state of Nevada here in America, that there was a base which the U.S. Air Force maintained for a group of extraterrestrials who were tall and white. And I, as the duty weather observer, was allowed to go up there, or they were allowed to come down to where I was. And that the interaction took place over more than 2 years. Wow. During those 2 years, I also came across, I also interacted to a lesser extent with the Roswell Grays, and I've also personally talked with the extraterrestrials that I call the Norwegians with 24 teeth, who come here from a very nearby star, perhaps Bernard's star. And my experiences, my presentations, my books are unique because I'm the only person that I know of that was allowed to interact with the extraterrestrials, the tall whites, for more than 2 years. So three different species of aliens you're talking about there, Charles. Yeah, can you describe what they look like? Yes, that is correct. What they were like? Well, I'll start with the tall whites. They're thinner than we are, and they're very frail. Throughout most of their life, they are the same height as I am, 5'11". But they live 10 times longer than humans. They live 600 or 800 years. Wow. But they don't age the way we do. When they get to be equivalent to a human of about 40 years, that means when they're about 400 years, they start growing again instead of aging as humans. Right. And then they go, and this continues, and so that by the time they get to be 600 or 800 years old, they're very tall, 8.5, 9, or 10 feet tall, but this is not necessarily good because their skeleton grows more than their internal organs. Ah. And so there comes a time after 600 or 800 years when their skeleton, their body is tall, but their organs can't support it, at which time they die a natural death, because they're just flesh and blood creatures like we are. If they injure themselves, it takes them 10 times longer to heal up than a human. Yeah. So there's a trade-off. Yeah, right. They still look fresh as a daisy when they go, though. They look like Tilda Swinton. Hey, just quickly, you had them there. You were working with the aliens on any particular project, or was the military working with the aliens on a particular project? Was there, I don't know, technology sharing, or, you know, botanical cross-fertilization?
The U.S. Air Force, and I'm speaking of the mid-1960s, was willing to give them anything they asked for. When I first met them, I was very afraid of them, and every human I met when you come across them out in the desert was naturally very afraid of them, and they were even more afraid of us. It's like running into a gorilla in the wild where the gorilla is on his home ground. So they had to go through a process of becoming used to being around humans before they could take part in the technology transfer program. I, as the weather observer, was the test human. I, as an enlisted man, I was expendable, you know. Sure. I was the one they send out there and say, practice talking to Charlie. And Murray, let's bring you in. Mm-hmm. You've never seen these things for yourself. Are you a believer? Because probably a lot of people watching this morning are going to think, I don't believe him. It's ridiculous. How could it be possible? Well, Charles was very intelligent in that he waited until we'd been married a couple of months before he told me about the extraterrestrials coming into his barracks at night. And he said, well, what do you think? And I said, I really don't care. I have never given any thought as to whether they exist or not, and I really don't care. I've known Charles. We've been married over 43 years. He may be a character, but I am his character reference, and I totally believe that this is real. Furthermore, we have had confirmations from people all over the world. We have never had any serious tire kickers, you know, people who say, well, certainly there seems to be a lot of people, a lot of people around the world who would support your view on this, who seem to have had their own experiences, but probably not quite as intimately as you. Now, unfortunately, we are going to have to leave it there, Charles and Marie, because we're about to lose our satellite, but you're coming to Australia next week to give a series of, talks, and we can't wait to see it. Yeah. And all the details of your tour will be on our website, so those interested in the life beyond will no doubt be there. Thank you. Good one.